Y'en a un qui arrive. Ah, je le suis. Suis l'ours. Normalement... Je suis en train de courir derrière un ours. Tout le monde est arrivé. Oui, c'est bon, je suis là. Oui. Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le camping avec Marie et Collins. Oui. Et bonjour. Et oui, et aujourd'hui les amis, bon, vous le savez, j'ai déjà été au camping. Ça s'est plus ou moins bien passé, hein, vous le savez. Mais aujourd'hui, on va surtout faire découvrir à Collins qui, lui, n'a jamais été au camping. N'est-ce pas, Marie? Il n'a jamais été au camping. Ouais, mais regardez, là, je suis bien caché derrière mon arbre. Je ne bouge plus. Bah, c'est bien. Tu vois, tu te caches. Tu gardes l'idée qu'il faut te cacher. Et maintenant, on va au camping, d'accord? On ne plus. Allez, venez vite. Ah, non, hop, off. Non. Ah, non. On va partir sans Collins. Bah, je suis pas là. Non. Au revoir. Au revoir. On revient, Collins. On arrive. Au revoir. On est là. Let's c'est go. Bon. Cette fois, c'est nous bon, sommes juste là. On est tous là. On peut y aller. Et on est combien du coup? On est 12. Ok, y a déjà les messieurs qui sont en train de s'organiser pour faire des stratégies et tout. Stratégies. Ah, les stratégies. Tu vas voir. Attention. Je suis pas prêt, je crois. Non, t'es pas prêt, non. Ah ouais. Alors, oui, on est 12 effectivement au début du camping. Ah ouais, on est nombreux là. Ils sont où les chamallows? Ils sont sur le feu, mais il n'y a pas de feu pour l'instant. Je les ai oubliés. On fera un feu ce soir. Ah, je peux plus m'asseoir. Si, ça y est. Bon. Aujourd'hui, Collins, ouais. Nous sommes au camping et on va juste un peu te faire visiter, voilà, histoire de un petit peu que tu sois familier avec les différents endroits qu'il y a dans le camping. Du coup, il faudrait qu'on le fasse maintenant parce que sinon la nuit va tomber, on va plus rien y voir. Oui, je te suis. Alors, là-bas, il y a donc des tours. Là-bas, les tours que tu vois, mais bon, on sait pas trop ah à non. quoi ça sert pour l'instant, voilà. Il y a aussi une cabane. Ouais. D'ailleurs, oui, Marie, la cabane, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans ta vidéo, mais il y a une cabane avec un marteau dedans. Alors, va savoir à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Je veux le marteau, moi. Mais voilà. Peut-être que... Ouais, on va... Je sais pas, mais... Il y a une cabane avec un marteau. Exactement. Collins, ouais. Laisse cette cabane tranquille. je regardais le marteau, il me paraissait... Intéressant. Là-bas, il y a une grotte là-bas. C'est ça. Il y a des arbres. Il y a des arbres aussi. Il y a beaucoup d'arbres. Ils vont pas beaucoup t'aider. Il y a un puits. Un puits avec de l'eau. C'est mieux pour un puits. Il pourrait être sec. Donc là-bas, il y a une grotte. Tranquille. Ici, une petite mare au canard. Sans canard, donc une mare. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et puis là, il y a les tentes. Ok. Les tentes de camping. En bois, tout va bien. Ah non, c'est pas en bois, c'est en tapisserie de grand-mère. Ah, il y a un sac à dos là. Ah oui. Et on attend quelque chose en particulier ou on se promène pour le moment? Pour l'instant, on se promène, on est tranquille, voilà. Attends, on est au camping, on n'est pas là pour non plus. Je suis sur la tour. On est là pour griller des perles, voilà. On est là pour faire griller des chamallows. Bon, exactement, on les a oubliés. On a oublié. Et c'est quoi le panneau en fait? Le lac, le camp et la cave, ok. Oui. Ça nous indique juste les lieux. Et au cas où on les voit pas. Il y a le panier du petit chaperon rouge avec des sandwichs. Oui. J'ai faim. Des bons sandwichs. Ah oui. Mais c'est pas l'heure de manger, Collins, voyons. Bah oui, on attendra dit-il. Le dîner. La nuit approche. Ah, on va pouvoir manger. Ah, on va manger? Non, pas tout de suite. Je suis prêt, j'attends de le manger. Mais... Oula, ah oui, la nuit. La nuit. Il y a les criquets. La nuit. Ah, assis-toi, détends-toi et raconte des histoires autour du camp de feu. Autour du camp de feu, oui, bien sûr. Bien sûr, totalement. Autour du campement. Bon, j'ai pas d'histoires qui font peur, donc voilà. Bouh. Merci, Collins. Merci, franchement, je tiens à applaudir cette performance. C'était génial. Avec tes bras Lego. Playmobil, pardon. Ou Lego, je sais pas. Les deux. On a pas l'air très malin quand même, là. Non. Là, on est bien, là. Bon. On est bien là. On est plutôt bien. Hein. Bah, une tisane, il manquerait plus une démarche. Ah oh mon god. My god. Qu'est-ce que je fais? Là, par ici, par ici. Attends, il y a un panneau là. Le panneau dit cave. Par là. Cave, ok. Ok, oui, on va se cacher dans la cave. Enfin, pas dans on la cave. On va se cacher dans la grotte. Dans la grotte. Je peux pas me cacher dans le puits. Dans les tentes. Non. Ok. En soi, tu pourrais, mais tu coulerais. Donc, je pense que la tente. Non, la grotte. Je vais y arriver. Hein. Tu vas y arriver, Marie. Et donc, le meilleur endroit pour se cacher, c'est une pièce toute petite? Ouais. Écoute, on réfléchit pas dans ce genre de situation. On a peur. Qu'est-ce que c'était que cette chose? Bah oui. C'était un monstre.
C'était un monstre, ouais. Clairement, c'était un monstre. Clairement, ouais. Ah, il commence à pleuvoir. Collins, ne sors pas, attention. Ne sors pas. Attention, la pluie, c'est pas vrai. Ça fait très mal. Tu comprends, la pluie, mentalement, ça nous affecte, et physiquement. Donc évite de sortir, sinon tu vas... Tu vas perdre de la vie. Ah oui, j'ai perdu un peu de vie en sortant un coup de fesse. Oui. Du coup, il faut éviter. Il faut éviter. Tous ceux qui sont dehors à cause de la pluie, malheureusement, ils vont peut-être pas survivre. Ah, le monsieur, il a un gant de Thanos, mais oui. Il tient le gant dans sa main. Il a pas compris que ça s'enfilait. Il y a eu un bruit de scloutch, un bruit de couteau. Mais oui, un bruit de couteau et un bruit de chèvre, on est d'accord. Alors la chèvre, je sais pas où tu l'as vue, mais le couteau, oui. Un bruit de chèvre. Ouais, il y a quelque chose qui s'est fait schlouch. Regarde Marie, bouclier humain. On se met derrière Marie. Non, il y a pas de derrière moi, non. Hors de question. Moi, je... Ok. Ah, le soleil se lève. Ouais. On n'a pas beaucoup dormi, mais au moins le soleil s'est levé. C'est déjà pas mal. Ah. Ok. Ah. Oh non, une tente s'est effondrée. Il ne reste plus qu'une seule tente. Ouais. Sauf qu'on peut pas tous rentrer dans une tente, du coup on retournera dans la grotte ce soir. Pourquoi il y a des messieurs là-bas? Ah, des messieurs. Ah, et des messieurs. Que bonjour les messieurs. C'est des bûcherons. Ils ont un... Oh, c'est ta chèvre. Ah bah oui, mais oui, c'est ça en plus. Bah oui. Ah mais voilà, ça. Le mystère est élucidé. Bon, en vrai, ce sont des trappeurs, des rangers, chasseurs. Qui ont remarqué que du coup il y avait beaucoup d'animaux qui mouraient et du coup ils vont mettre des pièges à ours pour les protéger. Le problème c'est qu'on peut se prendre nous aussi des pièges à ours, donc c'est un peu dangereux. Un peu, un tout petit peu dangereux. Oh my god. Par contre on est plus que 5, 6. Non, on est 8 ou 9 encore. On est encore 8 ou 9, c'est juste que les autres... Ah, ils sont au camp. On est éparpillés un peu, ouais. Ouais, voilà. Ils essayent quand même de profiter du camping. Et ça leur dit pas de fuir ce camping maudit, là. Bah écoute... Il y a encore les sandwichs, moi je dis. Ouais, bah à table. À table. Ah, très clairement. C'est vrai qu'on n'a pas mangé, du coup hier soir on était beaucoup trop stressés. On dirait que tu fais du yoga là comme ça, Marie. C'est justement parce que je suis stressée. Je réveille mes chakras. Exactement. La nuit approche. Ouais, bah du coup va falloir aller vers la grotte. Hein. Elle est où? Elle est là-bas. Elle est là-bas. Elle est. Il pleut? Ouais, mais on est déjà dans la grotte. Ah, on est déjà, ok. Nickel. Ah, oui. Bon, du coup, nous avons décidé de rester dans la cave ce soir, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les tentes pour tout le monde. Et ce soir est encore une nuit orageuse. Ok. Ah là là. Beaucoup d'orages. Incroyable. Alors, je vais faire l'appel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 là? Je vais pas du tout faire l'appel. On est 9. Ah non, on est 9. Et si vous bougez... Ouais, j'avoue que c'est compliqué. On est 9, c'est bon. Bon, on est bien dans cette petite grotte. On a oublié de manger encore, ça fait deux jours qu'on n'a pas mangé. Ah! J'ai faim. J'ai faim aussi. On peut manger quelqu'un avec des cheveux bleus? Non. Ouais, mais genre lui, là, le bleu foncé. Oui, alors. Soudainement, vous réalisez que vous avez oublié le panier de pique-nique au feu de camp. Bah oui, effectivement, pour pouvoir manger quand même. Il faut envoyer quelqu'un, ou en tout cas une équipe, pour aller chercher le truc, le panier de pique-nique. Bah, la dame est partie, elle n'avait pas le temps de niaiser, là. Madame, dans les films d'horreur, c'est les blondes qui meurent en première. Je suis blonde. Ça fallait pas partir, fallait laisser quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on la voit revenir, Madame? Madame, est-ce qu'elle revient ou pas? Sors pas trop, Colin, tu sors un bras là. Ah, excusez-moi. Non, mais je pense qu'elle va revenir là. Ouais, ça a l'air. Madame. Ça se trouve, elle s'est pris un piège à ours et tout, on le sait pas. J'avoue. Oh my god. Je crois qu'elle arrive. Un autre courageux. Non, je l'ai pas vu. Je crois que je vais y aller. Va falloir y aller. Bon, j'y vais. Tu vas solo? Comme vous voulez. Non, j'y vais. Au revoir, Kossou. Au revoir. Kossou. Oh mon dieu. Mais elle est où, la dame? S'enfoncer dans la pénombre. Attends, là, il y a quoi? Là, il y a le camp, il est là. Là, je suis au camp. Je suis au camp, les amis. Je récupère le panier. Oui. Et je reviens. Kossou! Je crois que je me suis perdu là. Tu peux le faire, Kossou. Ah non, te perds pas. Ouais, c'est par là, tout droit, à droite. Là-bas? Je sais pas. Est-ce que vous me voyez arriver là? Là, pour le moment, on ne voit pas. Oui, t'es là. Ah, cours. J'arrive, il me reste plus beaucoup de vie. Vas-y, Kossou. Tu peux le faire, oui. Ah oui. Oui.
Oh, la bouffe. Il me reste plus beaucoup de vie. Comment on mange? Je veux manger. Ah. Oui. Enfin, on va pouvoir manger. Oh my god. Ah. J'ai un sandwich. Ah. Oui. Pour manger. On mange. Sandwich, je sais pas pourquoi Adam a dit de pas manger, mais on s'en fout. J'ai faim, moi. Moi, écoute, ça fait deux jours que j'ai pas mangé. Je vais manger, hein. Ah. Magnifique. Ils sont infinis, ces sandwichs. C'était plutôt bon. Ouais, ils sont infinis, hein. Là, franchement. Ah. On a tous fini en même temps. On a tous fini de manger. Tout le monde est complètement satisfait. Jusqu'au moment où on se rend compte qu'un sandwich a été empoisonné. Oh non. Ouah. Pas le mien. Oh non, pas le pas mien. Mien non plus, pas le mien non plus. Ah, c'est le monsieur là dans le coin. Ah. Oh non, David. Au revoir, monsieur. Au revoir, David. On t'aimait. Oh. On te connaissait pas, mais on t'aimait. Au revoir, David. Tant pis. C'est pour ça qu'il disait de pas manger là. Et la blonde de tout à l'heure, du coup, on s'en fiche par contre. Ah, bah j'avoue qu'elle, je sais pas où elle est partie, mais elle est partie loin. La pauvre. Pauvre petite blonde. Eh bah écoute, comment dire. On est plus que 7. Voilà. Nous ne sommes plus que 7. Et on sera peut-être moins bientôt. Toi, t'as plus beaucoup de vie. Qu'est-ce que. Oh mon dieu. L'orage a fait s'effondrer l'entrée de la grotte. Ah. Ça va, Colin, tu te sens bien ou pas pour l'instant? Non. Il va falloir trouver un nouveau chemin hors d'ici. Ouais, ça a l'air simple de trouver un chemin dans une grotte fermée, sous le panier à pique-nique. Ouais, mais... Et les rochers au fond de la salle ont l'air d'être un petit peu... Voilà. Ah. Parfait. Tadam. Oh, il y a deux chemins. Bon, allez, on va dans le trou de gauche. Hein. Moi, je suis Kossou, moi. Attends, Aïe. Je suis... Comment ça, aïe? Oh non, Kossou. Kossou, oh non. Ah, t'aurais dû attendre. On a perdu Kossou. Rip. Continuez. Allez, je vais regarder l'écran de Colin. Tu es mon seul guide. Oh my god. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais vous guider telle une voix de l'au-delà. Qu'on fait, Marie? Ah, il y a des ours dans votre grotte. Hein? Il y a des ours. Ok, il faut courir. Il va y avoir des ours. Il faut qu'on court. Ouais, là, il y a un ours. Attention. Vers l'échelle. Pas par là. Vite. Ah, pas par là. Aïe. Les ours, ça fait mal. L'échelle. Ah, mais je suis retombé au début. Il y en a un qui arrive. Ah! Je le suis! Suis l'ours! Normalement, je suis en train de courir derrière un ours! Tout le monde est arrivé! Oui! C'est Colin, bon, je suis là! Oui. Ah, tu t'es fait croquer un peu! Ouais, je me sens pas très très bien, moi! Oh my god! Moi, on m'a toujours dit ne jamais aller vers la lumière! Et qu'est-ce qu'on fait? On va à la lumière! Bah là, même aller vers la lumière, ça sert pas à grand chose! On sort de la grotte, mais on reste vers la sortie en attendant le lever du soleil, parce que on se sent pas très bien quand même! Hein. Là, j'ai vu des ours et tout, là, je vais juste. Je vais attendre. Le soleil se lève. Costuqué narrateur. Je suis narrateur, c'est ça. Ah, on est 6. Bah oui, Kossou est parti. Je suis parti rejoindre les esprits qui vous guident. Il y a des traces de sang. Ah oui. J'aurais tendance à dire, faut les suivre. Ah, on ne peut pas. On ne peut pas pour l'instant. Du coup, mais une équipe de sauvetage va arriver demain matin. Il faut juste que vous surviviez une nuit de plus. Mais... Attends. Viens voir dans la maison, c'est hyper glauque. Ah, ça dit je suis toujours vivant. Comment dire que le monstre est toujours là. Même si il s'est pris un truc. Pris un piège à ours. C'est le monstre ou c'est une jambe de la blonde? je ne sais pas. C'est possible que ce soit une jambe de la blonde. Pauvre blonde. Et bah écoute, on peut pas repartir là, faut attendre les autorités, c'est ça, hein, n'est-ce pas, monsieur? C'est ça. C'est exactement ça, il faut attendre l'équipe de sauvetage. Bon, et bah, en attendant, chamallow. Exactement. J'allais pas dire mieux. Ils sont peut-être dans le sac à dos. Ah, la cabane elle est ouverte, je crois, non? Ah ouais? Ah non, je crois pas. Hein. Bizarre cette cabane. Vraiment très étrange. Cabane. Bah ouais, le marteau il serait utile en plus. Vous pourriez vous défendre au moins, quoi. Mais oui, en vrai, un marteau, ça peut être utile. Totalement. Mais on peut pas en avoir. On peut pas l'avoir. Ah. La nuit approche. Ouais, t'as l'air beaucoup plus enthousiaste que nous que la nuit est la fin. Ah bah moi c'est bon maintenant, je suis au paradis, voilà. Enfin, pas sûr que ce soit le paradis en fait. Ouais, peut-être pas. Hein. Ah, on est au milieu des bois. Bah je vous on conseille de vous mettre dans la tente quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ouais. Dans la tente? Bah vous avez plus trop le choix en fait là pour vous abriter et tout. Bah ouais, y a plus la grotte. Que ça c'était quoi ça? Il y a eu un bruit chelou. C'est une très bonne question. Non, ferme la porte. Il y a quelqu'un qui l'ouvre en même temps que toi. Je vois rien de bizarre par la fenêtre.
Moi, je vois rien du tout. Ah, je vois de moins en moins d'ailleurs. What? C'était quoi cette chose? Oh! Ah, j'ai été kidnappé! T'as été kidnappé, non, Collins? Je suis accroché à un arbre. Ok, je vais essayer de te chercher. Je suis à un arbre et je vois des arbres autour de moi. Génial, ça m'aide beaucoup. J'essaye de venir vers toi. T'es où? Ah, je te vois, je crois. C'est toi? Oui. Bah, si tu vois quelqu'un contre un arbre, c'est moi. Ah, coucou, je l'avais pas vu. Oui, c'est ce que je me disais. C'est bon. Ok, on t'a sauvé. Maintenant, on va retourner. Bah, en fait, on est safe nulle part. Bah, dans la tente, c'était le moins pire. Ouais. Ah, en ah, plus, il pleut. Ouais, ah non. Là, faut aller vite parce qu'il n'y a plus personne qui va bien. Hé, hey, ouvrez la porte. Ouvrez la porte. Ok. Oh my god. Je me sens pas très bien. Ouais, non, les pieds dans la tache de sang, c'est pas ouf. Hein. Je suis un petit peu malade. Tiens, cette porte fermée, Michel. J'ai cru voir un truc par la fenêtre. Ah. Peut-être halluciné. Eh ben écoute, moi je regarde plus rien. J'ai peur. Si tu regardes une tache de sang, Marie, c'est flippant. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai peur d'ailleurs. Ouais, ça peut expliquer des choses. Oh my god, y a de la darkness là. Il y a du noir qui remplit la forêt. Il faut qu'on aille, tu sais, à l'endroit où on pouvait aller plus haut. Là, aller plus haut. Faut qu'on se dépêche. Ah. Oh non, Colin. Marie. T'as réussi à t'en sortir? Oui, on est quatre et on a plus de vie. Vous pouvez le faire, Colin. Moi, c'était trop tard pour moi. Ouais, bah j'ai vu ça. Je suis avec des messieurs. J'ai peur, ça monte, c'est bon, ça s'est arrêté. Monsieur cheveux bleus, je compte sur toi maintenant. Alors, pour le moment c'est calme. Il y a le monsieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il arrive vers toi. Ah. Oh non, le soleil. Ha ha. Tu mérites ça, tu nous as attaqué, tu nous as empoisonné, tu en as même kidnappé un d'entre nous, n'est-ce pas, Collins? Oui. Tu ne comprends pas. J'essayais juste d'aider. Depuis que l'incident est arrivé, j'ai essayé de vous sauver parce que je voulais pas qu'un autre meurtre arrive dans ces bois. La personne que j'ai tuée la première nuit était là pour vous tuer. Je n'ai empoisonné personne. Oh, oh, dis donc, le sac de Collins! Oh, bah dis donc! Ah, c'est lui qui nous a tués! Avec de la mort au rat dans son sac, tout va bien! C'est pour ça que tu voulais qu'on mange, je le savais! Oui. C'est pour ça que depuis le début, il fait « Ouais, vous avez pas faim !» Bon, bah du coup, les gens, c'était Collins, cette fois, le tueur, la dernière fois, sur la chaîne de Marie. Bah, c'était Marie, hein, justement. D'ailleurs, si jamais vous avez pas vu cette vidéo, elle est également dans la description. Et puis du coup, et bah, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, peut-être au camping, encore une fois. Ciao tout le monde! Salut! Ciao!